Suite du périple du ministre d'État à ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Billet-Bindié, la marine a constitué la seconde étape de cette mission du membre du gouvernement qui vise l'amélioration de l'alimentation en eau et électricité auprès des populations privées du liquide et de l'énergie, tous deux précieux. Patricia Lidimouélé, Francis Ifunda. Alain-Claude Billet-Bindié, accompagné de sa collègue de la fonction publique, Madeleine Baird, est déterminé à satisfaire les besoins en eau et électricité des populations de l'intérieur du pays. Les deux membres du gouvernement ont visité les structures de la SCG et le constat est amer. Nous avons pu nous rendre compte de ce qu'une part importante de ces installations est vétuste, notamment en ce qui concerne la production d'électricité. Il est évident que toutes les zones ne sont pas aujourd'hui alimentées. Le ministre d'État a exprimé son besoin de pouvoir toucher de près ses préoccupations, donc avec les visites qui ont été faites auprès des installations, mais également à l'intérieur des familles. Des difficultés, certes, mais l'État doit prendre ses responsabilités. La SEG a fait le choix de la facilité, n'a pas investi et l'État n'a pas été regardant. Et le chef de l'État veut que nous allions aux solutions concrètes. Nous allons très rapidement poser sur la table du gouvernement un certain nombre de solutions alternatives pour régler ces problèmes rapidement à l'embarrané. Mais la question de fond, c'est s'agissant de la compagnie, la société d'énergie et d'eau du Gabon. Il faut qu'une réflexion de fond soit posée. Après toute cette expérience qu'on vient de vivre, est-ce qu'on peut continuer avec une SEG qui est en quasi-situation de monopole? Il faut que l'État consente à investir et à contrôler l'entreprise qui aujourd'hui a la responsabilité de l'eau potable dans notre pays. Et je pense que des solutions doivent être trouvées, mais il faut surtout réfléchir à la question de la libéralisation du secteur et introduire une concurrence dans l'offre, que ce soit en énergie électrique ou en électricité, en attendant que le gouvernement se prononce définitivement sur le sujet. Libéralisation du secteur, la question reste entière. Toujours est-il que le chef de l'État attend des actions concrètes pour améliorer le bien-être des populations.